Salut tout le monde, c'est Mister Falken, j'espère que vous allez bien. Désolé, je suis en train de cadrer pour que ça fasse le meilleur rendu possible. Voilà, excusez-moi. C'est Mister Falken et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 13 de mon Let's Play sur Azura's Wrath. J'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va plutôt bien. Je fais cette vidéo dans la continuité de l'épisode 12. On s'en était rendu à la Sutra numéro, je m'appelle 21 si vous m'avez suivi jusque là. Un petit résumé comme d'habitude. Donc Yasha s'était sacrifié pour donner à Azura qui était inconscient le mantra des 7 divinités célestes qui étaient représentées par un qualificatif ou un... Voilà quoi, un pouvoir opérant à la vie humaine, quoi, tout simplement, comme par exemple la colère, le regret, etc., etc. Et il s'était sacrifié pour donner lui-même, voilà, ce pouvoir que seul Azura peut contenir dans son corps, et pour qu'il devienne plus puissant, bah, contre le dieu de la création, je ne me rappelle plus de son nom, désolé, un peu bizarre, hein, son nom, bon bref, l'araignée d'or, hein, ce qu'on avait vu, et voilà. Donc ça s'unissait à ce niveau-là. Et on va poursuivre dès maintenant. Alors, voyons voir. Sutra numéro 21. Un réveil douloureux. Petit résumé. Azura et Yasha, l'huile et l'eau, le feu et la glace. Mais le destin de ces deux frères rivaux s'est toujours entremêlé. Leurs longs voyages vont se terminer ensemble. Écoutez, on va jouer. On commence tout de suite. Petit temps de chargement. Quatrième vidéo des DLC, que j'ai toujours pas faite, hein, vidéo game commentary live. Je découvre avec vous. Yasha qui se réveille, QTE dès le début. Ils sont bien sympas chez Capcom. Ah, donc Yasha, non, mais ne s'est pas... j'ai fait... Voilà, ne s'est pas sacrifié, il est toujours là. While you were asleep, the world has become what you see now. Attendez, peut-être qu'on est sur un flashback, je sais pas si je dis... Ah non, j'ai rien dit, c'est toujours le présent. On est plus en retour dans un passé... Oh là là, regardez-moi ça. Le truc de malade. Le truc de malade. The end of the world of which he spoke. On va arriver d'un instant à l'autre. At any moment. We are out of options. His power is too great. Ça, on s'en fout. There's only one way. Et oui, la clé de la victoire. Let us decide once and for all. Ha! Decide for what? Ouf, 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 ouf. Encore une fois, en fait. Who is stronger? Oh, on va l'affronter. Let me see how strong you really are. Show me how strong you are, Azura! Hey, le test. Take this, are you? Je me méfie parce qu'il est particulièrement... Ouais, 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 tu vas arrêter là de faire ton... J'adore ce thème de Yasha. Ah, il m'avait donné une opportunité là, j'ai pas su la saisir. Pour l'instant, il est bien rapide en tout cas. Ça va pas mal. Comme ça. Voilà. Oh, mais non! Je ne vais pas sous-estimer Yasha parce que c'est particulièrement puissant, je crois, ouais. Et il esquive pas mal aussi. Bon, là, tu commences à me saouler, Yasha. On a un peu repoussé, mais je vois que la vie là. Et puis, je ne sais pas de vas-y, il est trop rapide. Non mais c'est pas possible. Voici, hein, je vais t'enchaîner. Tiens.
Allez. Ah. Viens vers moi, tiens. Mon bouteille à la jauge. Tiens, prends pas ça. Non mais sérieux, je vais pas me faire avoir par un type comme ça. T'inquiète, je vais monter ma joystick avec un devant. Voilà. Alors si là tu vas pouvoir résister. Voilà. Là je pense que ça va être terminé. On est dans la jauge solide. C'est parti. Mal. Voilà la onde de choc, magnifique comme d'habitude. Waouh. Ah, là un petit retour. Quand t'entends ce petit son, un petit retour flashback. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? On retrouve Aurgus, le maître d'Azura. Let us decide today. Decide what? Bah ça. Qui est le plus puissant? Who is stronger? Allez. Ah, ça c'est pas mal du tout. Ouais, non, mais là... Ouais, mais non, mais là, je suis pas maître de ce que je fais, là. Mais sérieux, je suis pas... Mais c'est un... Non, là, franchement, c'est quasiment un jour, là. Un jour. Comme ça, j'en sais rien. Ouais, non, mais non, non, non. Voilà, là je pense que c'est bon. Ah. Ah mais non.
cette séquence est vraiment particulièrement fou. Ça. C'est pas vrai. Bon, bah, je vais être obligé de recommencer. Je suis désolé. Ok, je sais que je suis un gars mauvais, merci. Allez, on recommence. Ah, tu vas pas recommencer, j'ai un peu compris comment on battait. Allez, viens. Comment ça? Oh là là. Il va falloir que j'alterne entre eux. Mais il fait trop mal. Il fait trop mal. J'en galère rien là. Sérieusement quoi. Voilà. On va voir ce que ça donne. Eh bien m'attaquer. Sérieux, c'est quoi ce type là qui arrête pas de... Quoi qu'en fait. Je pense à accomplir maintenant, ça y est. En tout cas, le combat est énormément bien mis en scène.
En fait, je m'approchais pas assez de quand il attaquait. Tout simplement, il faut l'attaquer soi-même, quoi. Voilà, j'ai campé quoi en fait. On s'est approché de lui en fait. Est-ce qu'on veut dernier moment? Oh, c'est pas vrai. Moi oh, j'étais si proche. Oh non, désolé, on va recommencer encore une fois. En même temps du commentary en direct. Hein. Moi je m'en veux. Mais non, mais oh là là. Ah ouais, ils ont pas
réussi à se départager à l'époque. Ils n'ont pas réussi à se départager. Alors, que nous réserve la suite? It seems Durga will give birth any time now. Ah, yes. Juste avant la naissance de Mysla. Hopefully, the child does not know. Je prie pour que l'enfant ne soit sans le cas. We must make the world a suitable place for the child. Take care of Durga. Sa sœur, je vous rappelle, Ayasha. La femme d'Azura, Durga. Petite interlude, ça fait du bien. Et mais sérieusement, c'est des malades dans ce jeu. C'est des malades. Do you think someone like you could do something as important as save the world? You're just a fool that only knows how to break things! And I will break everything! Including this little girl! You're tired of your face. I think it is time. Oh, d'accord. Non mais non, non. Mais c'est non, mais non. Ouais, mais sérieux, mais elle est trop dure cette sutra. Elle est trop dure. Non mais non, mais non. Non, mais sérieux! Mais je vais me taper comme un... Non, je vais essayer d'étudier ces deux. Non, ça, non. Il est rapide, mais en plus, il est trop puissant. Oh là 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 là. Allez, on va voir ce que ça fait là. Oh là là. On va s'en compter la technique plus ou moins, mais là, non, mais non, mais non, mais non. Je sais même pas, non. Je me rends de deux. Là, je vais t'enchaîner. Ouais, mais non, mais sérieusement, mais elle est trop dure cette sutra. Là, franchement, je suis en train limite de me dire si je vais pas rager quoi. Vraiment, j'en ai ras le bol. J'adore Azura, mais là, sérieusement, j'ai pété un gros câble. Ouais mais non allez la partie. Mais non. Ouais là sérieusement. Mais non mais en deux coups il le fait faire la moitié de la vie là. J'en ai marre. Oh là 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 là. Bon alors si on est mieux parti. Ah. Allez, vite aller sur lui, on enchaîne.
Je sais même pas comment. Non mais même. Même avec des petites attaques, j'arrive pas. Ouais mais. Oh là là. Ah oh, mais non. Sérieux. Sérieusement, il va me rendre fou ce jeu. Il va me rendre fou. Allez, viens. Ah, maintenant, fais ton machin là. Allez, pourquoi tu ne le fais pas comme par hasard? Hein? Pourquoi tu ne le fais pas comme par hasard? Allez! Bon, déjà c'était mieux qu'au premier essai, mais bon. J'en ai marre. Décidément, j'aime jamais le 13. J'aime jamais le stress comme la Sutra. Avant en sautant. Ouais, allez, c'est parti. Il va recommencer ses bêtises là. Mais même en... Non. Mais c'est pas possible, mais sérieux. Ou alors il faut lui faire une attaque puissante. Non, je suis encore bien parti là. J'en ai marre, lâche. Ça lui fait rien en plus. Allez, fais-moi ton truc là. Et il ne me le fait même pas. J'en ai marre. Tu me saoules, Yasha, tu me saoules. Voilà. Tiens. Ah là, c'est bien. Allez, on enchaîne. Allez, vous avez vu combien? Non mais vous avez vu. Vous avez vu encore. Je me saoule. Non mais je suis en train de me demander si je vais pas arrêter la vidéo là parce que... Tiens. Et en plus il m'enchaîne même pas, allez. Ah peut-être. Ah, on est peut-être bien parti. Allez, faut que j'aille vers lui. Allez, on est reparti, hein, dans son délire. J'aimerais bien l'avoir. Non. Oh mais non. Je vais péter un boulard. Sérieusement. On n'a même pas fait la moitié de la Sutra 21. Et on en est déjà à 30 minutes. Allez, on recommence. Non mais... Thank you.
là, c'est... Mais c'est du n'importe quoi. C'est pas possible. Voilà, 31 minutes, si je vois qu'à 45 minutes, j'y arrive pas, je laisse tomber pour la vidéo. Je suis désolé, mais j'ai pas envie de péter un boulot. Je suis limite à deux doigts, donc... Et ouais, ça va faire plaisir certains de voir rager pour la première fois. Voilà, tiens, prends ça. Impossible. Mais c'est... Mais j'en ai mort. Mais c'est... Allez, fais-moi ton type de contre-attaque là. Voilà, on est à la moitié. Voilà, mais ça, ça nous fait perdre trop de vie. Et allez, il est reparti. Faire son anti-jeu, là. Bon. Voilà, on est pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Là, faut que j'enchaîne. Et cette fois, je vais y arriver, hein. Sérieux. Voilà, enfin. Voilà.
Enfin. Je sais même plus quoi dire tellement que là j'ai plus de voix. Elle m'a fait bien rager en tout cas cette soutra. Vraiment, vraiment, vraiment bien rager quoi. J'espère qu'il y en a qui ont bien rigolé quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Azura qui fonce sur Yasha. On est au ralenti. Les compositions des gestes est magnifique. En plus en noir et blanc ça. Wow. Dragon Ball Z. Oh yeah. Allez. Allez, on va laisser. On laisse. D'accord, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Waouh. Fendu en deux carrément. Ah ouais. Ah ouais. J'ai compris maintenant pourquoi il a fait ça. J'ai compris, j'espère que vous aussi. En fait, c'est pour tout simplement activer les dernières ressources qui ont un Azura avec le réacteur mantra. Pour qu'il découvre ses nouveaux pouvoirs. Oh là. Petit flashback sur tout ce qui s'est passé entre les deux frères rivaux, quoi. Et je m'attendais vraiment pas à ce que Yasha meure, quoi. Il sacrifie. Save Mithra. And the world. Hein? Oh my gosh. Idiot. Qu'est-ce que c'est bien fait? Moi j'adore le nado. Allez, on va checker. Kinarbi, Naruto. Tac. Pas qu'un héros, pas un héros. Ok. You're always a brother. Never an enemy. Dans les dernières confidences. Ah, on a fini la sutra, Mango. Mon Dieu. Ah là, je compte même pas. Oh, la super note que je vais avoir. Oh, avancé. Eh bien, dis donc. Alors, on va regarder l'interlude. On fait un petit suivant, une petite sauvegarde, on termine, clac, et l'interview. Alors, entre Aogus, Azura, Yasha et Deus, 12 000 ans auparavant, le Shinkoku, terrain d'entraînement. Deus, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre Yasha sous mon aile. Et donc, je suppose,
Aogus va prendre sous son aile Azura, les deux frères ennemis, Sasuke et Naruto. Avec Kakashi et Jiraiya, bien sûr. Je vois qu'il me reste peu de batterie au niveau de la manette. Ça, vous avez vu apparaître des petits messages reconnectés à la manette. Alors ensuite, bah tu vas le prendre encore plus têtu qu'il ne l'était. Tu vas le rendre. Hein. Deus, je n'aurais pas pu te laisser compter. Papa, j'ai du mal à parler moi. Je n'aurais pas dû laisser t'occuper de lui. August, ah, mon étudiant contre le tien. Et si on, on testait leur habileté après l'entraînement? Deus, je doute que tu puisses l'entraîner correctement, mais pourquoi pas? Yasha, général, une tête brûlée comme lui n'est pas un adversaire digne de moi. Azura, répète un peu. Deus, inutile de s'emporter, nous verrons bien le temps pour lui. Durga, Yasha à gauche, Azura à droite. Un an plus tard, Shinkoku, terrain d'entraînement. Durga, frère, où es-tu? Grand frère? Yasha, ici Durga. Durga, te voilà, ou Azura aussi. Vous entendez vraiment bien, n'est-ce pas? Je pense pas. Azura et Yasha, pas du tout. Durga, vous voyez? Azura, alors voyons voir ce qui se passe. L'insulte. The final battle lies just ahead. Asura closes his eyes. He sees visions of lost loved ones, and the shadow, the one behind it all. Wow. It is time to keep his promise, to take back what was stolen from him. Vengeance is within his grasp. Eh bien écoutez, je vais en arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette sutra belle, mais très 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 poussive. Il n'y a pas d'autre terme. Mauvais, le petit Mr. Falken aujourd'hui. En même temps, franchement, j'espère qu'on est quand même tarés, vous serez pas trop méchant avec moi. Un petit pouce bleu, un petit pouce rouge. Vous m'expliquez pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous, pourquoi pas. Et je vous dis à bientôt.